Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, unboxing avec la boutique A Diamond Painting. Oui, j'ai reçu un colis de chez eux, donc le voici. Bon, j'ai déjà ouvert. Donc, je vais vous montrer tout ceci. Alors, j'ai reçu 3 kits. Hop, oui. Et, alors, je vais commencer par ça, puisque ça, on le voit tout de suite. Et un stylet. Alors, le stylet. Voilà. Hop. Bon, je vais couper, hein, ça ira plus vite. Il est rigolo, le stylet, je trouve. Le voilà. Avec des petites pointes. Alors, c'est pas des petites pointes dures, hein, je vous rassure. Regardez, vous voyez. Il est tout doux. Mais il est rigolo. Donc, avec sa petite pointe. Voilà. Il est marron comme tout. Il est doux en plus, hein. Donc ça fait... On aurait peur de le prendre comme ça dans les mains avec tous ces petits pics. Mais non, non. Il est tout doux. Et... Justement, comme c'est tout doux, ça ne va pas faire mal aux doigts. Oh, j'ai mon doigt qui se dé... À force de faire du diamond painting, j'ai mon doigt qui se déforme, moi. C'est ça, hein, la vieillesse. Donc, voilà, le petit stylet en premier. Voilà, bon, je vais jeter le plastique, hein, je vais regarder. Hop. Je garde ma chambre propre parce que j'ai le fils de Chouchou qui vient la semaine prochaine. Et qui dort dans mon atelier. Donc, j'essaye de ne pas faire trop de bordel. Alors, le premier kit. On va découvrir ça ensemble. C'est des perles. Ah, carrées. Des perles carrées. Alors, le petit kit pour commencer, hein, tout comme d'habitude, le petit stylet, le petit plateau, le petit, hop, ça, on a l'habitude, hein. Ah, j'ai les, hop, voilà, les petits embouts supplémentaires dedans, celui pour 10 et celui pour 3 ou 5, voilà, ici. Alors, ce sont les perles sont dans les sachets zippés. Ça, j'aime bien les sachets zippés. Au moins, j'ai pas besoin de remettre dans des sachets zippés après. Voilà. Il y a 24 couleurs. On va vous faire découvrir les couleurs. Du vert. Oh, là, il n'y a pas beaucoup. Marron. Un rouge. Encore un marron, une autre sorte de marron. Il y a beaucoup de marrons différents. Un jaune pâle. Un vert pâle. Un beige pâle, vert, un marron cacadois, là c'est un, on va dire un bordeaux, un rouge, bien rouge, un autre rouge, encore une autre sorte de rouge, du vert, une autre sorte de vert, un vert kaki,
un kaki mais plus clair. Marron. Un saumon. Un bleu ciel. C'est pas tout à fait un blanc. C'est un blanc entre le blanc et le bleu ciel, très très ciel, très bleu. Voilà. Un autre marron et une autre sorte de bleu. Voilà les couleurs que l'on a. Donc des jolies couleurs. Donc tout en perles carrées. Bien sûr, qu'on va pas avoir moitié rond, moitié carré. Hein. Hop. Et voilà. Et tout ça pour faire ce dessin. Donc là, la toile, elle est belle. Et tout ça pour faire... Alors, dans quel sens ? C'est un 30-40. Ah ben, je l'avais en rose, celui-là, je crois, oui. Pour faire des roses. Rappelez, je l'ai eu une fois le même style à peu près, mais les roses étaient roses. Voilà. Très joli. Faire des jolies roses. Donc 24 en 30-40. Donc voilà le premier. On va le remettre dans sa petite pochette. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de marquer ce que c'est. Si je trouve mon feutre. Oui. Oh, le chien d'à côté. Des roses et on est le 20 ou 21. Bon, je vais marquer le 20. C'est bientôt Noël. Alors, celui-ci. J'ai collé. Voilà. Là, ce sont des ronds. Donc, le petit kit qui va bien, comme d'habitude. Avec les perles en sachet zippé. Avec les gros numéros dessus. Tout à l'heure, c'était pareil. Hein, vous avez vu. Donc là, c'est des perles rondes. Alors, j'ai remarqué maintenant que je prends plus de plaisir à faire les rondes que les carrés. Les carrés me... Alors, Bordeaux. Un Bordeaux foncé. Un bleu, couleur brique. Alors là, il y a plein de oranges. Un premier orange, un gris, un deuxième gris, encore un gris, un orange, un orange. Un jaune orange, un orange, un marron, un rouge, un gris, un marron beige,
un marron rouge, un gris très foncé. J'ai pas de noir, tiens, deux kits en noir, ouais. Un kaki, un brique, un bleu, bleu canard, voilà, un saumon, un rouge et un violet. Donc on a 24 couleurs également pour celui-ci. Voilà. Hop. Donc, pareil, hein, pas abîmé. Alors, celui-ci, c'est un 30-40, 24 couleurs. Et voilà le dessin. Donc, un visage avec un papillon. Il est joli. Il est bien coloré, hein, celui-là. Donc, voilà. Et hop. Bon, il est où le... Ah, il est là. Cherchez le trou. Ah. Voilà. Hop. Donc celui-là, je vais dire femme papillon comme ça. J'aime bien les toiles brillent un peu. Et sont bien, je vais pas montrer, mais bon, pour avoir fait un classique, sont bien imprimés. Hein. Oui. Sont superbes. Alors, la dernière. Alors, c'est une 24 couleurs aussi. Ben là, hein, on ne veut pas sortir. Ah, voilà. Alors, le petit kit, comme d'habitude. Et ce sont des perles carrées. Donc, voilà. Dans les sachets zippés. Donc 24 couleurs. Un blanc cassé. Marron. Bon, je ne vais pas vous dire marron clair, marron foncé. Il y a voilà, une ensemble de marron. Un bordeaux. Voilà. Un saumon, un rose, un gros sachet de marron, un autre saumon plus clair, plus foncé plutôt,
un rouge, un rose très pâle, rouge, rouge plus foncé, marron. Il y a beaucoup de marron, de rouge. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de noir non plus. C'est bien, trois kits en noir. Il n'y a pas de noir. C'est très bien. Super. Ah. Et le dernier. Voilà. Pas de noir. Super. Hop. Et voilà. Alors, idem. Donc celui-là. Ah oui, je comprends le marron. D'accord, c'est le fond. Donc 24 couleurs, un 30-40. Et voilà. Un joli portrait. Et pas mal. Un peu sexy. Donc, comme, bon, j'avais pas regardé les deux autres, mais c'est pareil, hein, ça colle très bien. Et voilà l'impression. Et niveau colle, ça, c'est super. Hein. Donc, ils sont tous notés au nom de la boutique. Et voilà. Bon, ben, je remercie encore la boutique E Diamond Painting pour l'envoi de ses kits et le stylet. Merci beaucoup. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires pour retrouver les kits et le comment et la boutique, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous laisse maintenant découvrir la boutique si vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. De nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.